Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, ainsi que l'Irfu Atari Akiva Ben Shachar, Shlomo Ben Esther, Rafael Zvlod Ben Chayam Aliya Betor Shachar Israël, et la Tzlachat Daniel Ben Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui le Perek Vav de Pirkei Avot Mishnah Aleph. Comme on a expliqué dans le cours précédent, Perek Vav n'est en réalité pas un vrai Perek de Pirkei Avot. Pirkei Avot, en théorie, elle s'est finie à la fin du 5e Perek. Ça, c'est plutôt un Perek de Mishnah qu'on se retrouve, qui se retrouve dans d'autres sortes de Braytot, qui se retrouve notamment dans Maseret Kala, des petites Maseretot comme ça qui n'ont pas été classées parmi les 60 volumes, les 60 livres de la Mishnah. Il y a 60 livres, 6 d'Arim qui ont été classés, et 59 ou 60 livres. Et concrètement, en tout cas, le pire que ce 6e Perek n'est pas entré dans le Mishnah, c'est pas Benou Akadosh, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi qui l'a fait entrer ici. Ça se retrouve plutôt dans Tana de Eliyahu, dans Maseret Kala, il a été rapporté là-bas. Et concrètement, en tout cas, des enseignements merveilleux sur l'importance de l'étude de la Torah. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce Perek débute en nous disant « Shanu Chachamim Milchon HaMishnah » Baruch Shebachar Ba'em ou Bemishnatam. On introduit le Perek en nous disant que Chachamim ont encore, nos maîtres, ont encore enseigné avec un langage ressemblant à la Mishnah, qui en réalité n'est pas une Mishnah, mais avec un langage ressemblant à la Mishnah, et puisqu'on mentionne Chachamim et leurs enseignements, on dit Baruch Shebachar Ba'em ou Bemishnatam, que Hachem soit béni, comme Kivyachol, béni soit Hachem, loué soit Hachem, grandi soit Hachem, qui l'a choisi. C'est les Chachamim et leur Mishnayot. D'accord? Ça, c'est l'introduction au Perek. Et la première Mishnah, donc, commence concrètement en nous disant Rabbi Meir Omer, Kol Haosek Batora Lishma, Zocher Lidvarim Harbe. Entre parenthèses, dans les livres de Mishnayot classiques, comme ce que j'ai devant moi, alors il n'y a plus, d'ailleurs, dans 5 minutes éternelles aussi, vous n'avez pas de pirouche du Bartanoura, parce que le Bartanoura n'a pas rédigé sur ce Perek, car ce Perek n'est pas un Perek de Pirkei Avot réellement. Ça, c'est pour le. Ouais, il n'y a pas de Bartanoura, il n'y a pas non plus de Tosot Yom Tov. Moi j'ai un pirouche de Rashi, et j'ai un pirouche du Midrash Shmuel, qui est un livre merveilleux, de Rabbeinu Shmuel d'Yozida, un rave à l'époque du Harizal. C'est en général les livres qu'on étudie quand on étudie Perek, et bien sûr le Tiferet d'Israël. Le problème c'est que c'est des très longues explications. De temps en temps on mentionnera quand même quelques petites précisions d'eux, mais voilà. Donc, Rabbi Meir, Mishnah Alef, Rabbi Meir Omer, Kol Asek Batora Lishma, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו, מלבשתו, ענווה ועירה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק, והווה צנוע וערך רוח ומוחל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. רבי מאיר אנסניה, כל העוסק בתורה לשמה, toute personne qui étudie la Torah, qui approfondit la Torah, pour en son nom de la Torah, on va expliquer ce que c'est très rapidement, Zochel et Dvarim Arbe, il méritera de plein de choses, de plein de bienfaits qu'Hachem va lui donner, s'il a le mérite d'étudier la Torah Lishma. Étudier la Torah Lishma, c'est, on va se rapporter ici longuement, avec une agate de Rab Chaim de Vologine, il a écrit un livre entier pour expliquer c'est quoi étudier la Torah Lishma, c'est le Nefesh HaChaim, Perek Dalet, essentiellement le Char Dalet là-bas, où il rallonge beaucoup pour définir exactement ce que c'est étudier la Torah Lishma. Précisément, en tout cas, on va lire le Tiferet d'Israël qui nous dit, il n'étudie pas juste pour savoir quoi faire, parce que sinon Hachem, il va le punir, mais il étudie parce qu'il a compris que Rak Ba'avur Shema Agadol, il a compris que la Torah, c'est quelque chose, c'est la chochma d'Hachem, qu'Hachem a émané de lui pour créer le monde, c'est le but du monde, le but de toute la création du monde, et dans ce cas-là, Rak Ba'avur Shema Agadol, Shenit Barer Lo Kvod Godla, il a compris la profondeur, la nécessité que c'est, là, toute l'essence du monde se trouve à l'intérieur d'elle, c'est toute la fierté d'Hachem, le but de la création du monde qui se trouve, qui tachlit kol Adam, vetachlit kol Abriya kula. Donc c'est le but de l'homme et le but de la Bria entière, la Torah. Un homme, il va approcher l'étude de la Torah en comprenant qu'il va découvrir l'essence du monde même et faire plaisir à Hachem sur le fait qu'il se rapproche de la Chochma d'Hachem justement. Alors,
Sur ça, la Mishnah va nous énumérer bien des vertus, plein de vertus, de mérites, de bienfaits qu'il va avoir, étant donné qu'il est en train de faire le but pour lequel Hachem a créé le monde. C'est la plus grande des joies dans le ciel, autour de lui, qui se passe. Ouais, les anges, Hachem lui-même, comme on dit, comme on chante dans le chant de Kaviat Vin Israël, Chazou Banaï Chavivaï de Mishtakrin Mesar Dilon, Veaskin Boreta Dile, que lorsqu'ils étudient la Torah, Hachem il vient, il se penche avec toute sa cour céleste, ils viennent nous voir et ils assistent et ils s'émerveillent sur le fait qu'on étudie la Torah. Et donc de ce fait, celui qui va bien sûr beaucoup s'investir pour étudier tout le temps la Torah l'Ishma, hein, en l'honneur, pour l'honneur de la Torah, alors Zoché Lidvarim Arbei, il va mériter au final de toutes les vertus qu'on va énumérer. Velo Od, et plus que cela encore, à part le fait qu'il va tout avoir, et la Shekor la Olam Kullo Kedayulo, tout le monde entier, toute la création du monde entier, elle valait le coup que pour lui. C'est-à-dire, qu'on soit clair, qu'on illustre bien, ça valait le coup pour Hachem, qu'il crée un monde où il y a eu des générations et des générations qui se sont éloignées de lui, qui ont blasphémé, qui ont fait toute cette histoire de Torah, pour qu'il y en ait au final un seul, vous, qui allez vous asseoir, étudier la Torah, l'Ishma, pour l'honneur d'Hachem. Kol haolam kulo, insistant sur le kulo, c'est comme ça qu'il explique le Midrash Shmuel, kedayulo, ça valait le coup pour lui. Et concrètement, quelles sont ses vertus? C'est discuté entre parenthèses. Est-ce que Zochel Yidvarim Arbe, il va mériter plein de choses, c'est toutes les vertus qu'on va énumérer, ou c'est à part ça, il y a encore d'autres choses? Qu'en fait, toutes les vertus qu'on va maintenant énumérer, ça va être des vertus spirituelles, des grands avantages, mais qu'il sache aussi qu'en plus de ça, Zochel Yidvarim Arbe, il va avoir en plus de ça plein de choses. Il va avoir tout le nécessaire matériel en plus de ça pour réussir, sauf que la Mishnah n'a même pas voulu se salir en mentionnant tu vas étudier la Torah pour être riche, on s'en fout, on s'en moque. Donc la Torah, elle a dit Zoché Lidvarim, tu auras plein de choses, t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème, mais en plus de ça, tu vas même avoir toutes ces belles vertus, toutes ces belles distinctions qu'on énumère tout de suite, qui sont Nikra Rea, il est appelé un ami, c'est un ami d'Hachem. Il devient Shoutaf Bema Sebereshit. Il a pris conscience qu'Hachem, il a créé le monde avec un but, et il va partir étudier la Torah dans ce but. Pour participer avec Hachem, il devient quelque part l'ami d'Hachem. Réa. Ahouv, il est aimé, aimé du ciel. Et aimé des créatures aussi. Naturellement, on voit en lui quelqu'un qui se distingue de tout le monde. Il n'est pas là. Il ne vit pas dans ce monde bas, en train de se prendre la tête sur des sujets bêtes et bas. D'accord? Donc il est Ahouv, il devient Ahouv. Ohev et Amakom, Ohev et Abériot. Il est lui par excellence, celui qui va aimer Hachem et celui qui va aimer toute l'humanité entière, parce que grâce à lui, en fait, il fait plaisir à Hachem. De ce fait, Hachem ça vient apaiser quelque part son courroux qu'il pouvait avoir contre des personnes, contre les hommes qui ne font pas sa volonté. Le fait qu'il y en ait un comme ça, qui sauve sa vie et qui réussit à étudier la Torah l'Ishma, alors Hachem, donc en retour, il va l'aimer. Et de ce fait, donc, s'il étudie la Torah, donc c'est ce qu'on a dit dans Ahouf, que lui il aimait, et Ohev et Amakom, que lui il aime Hachem, et lui il aime le monde entier, parce qu'étant donné, puisque maintenant il éveille la miséricorde d'Hachem sur le monde entier. Et selon le même principe, Mesameach et Amakom, Mesameach et Abériot, il réjouit Hachem, et il réjouit les Briot, toutes les créatures du monde, qu'Hachem il épanche tous ses bienfaits grâce à lui. Et en plus de ça, Umla Beashto, Anava Veira, là, le fait d'étudier la Torah l'Ishma et de persister dans cette étude de Torah l'Ishma pour l'honneur de la Torah, alors elle va lui faire acquérir, va lui faire naturellement acquérir de la modestie et de la crainte du ciel. Il va émaner comme si, Malab Chateau littéralement, c'est-à-dire qu'il va se vêtir de modestie et de crainte du ciel. Ça devient des choses intégrantes, des traits de caractère profonds en lui qui vont devenir naturellement acquis grâce à l'étude de la Torah. Étant donné que c'est simple, si on veut s'élever, il y a deux solutions. Soit on va écraser tout ce qui est autour de nous, soit on va tout simplement s'élever. C'est le même principe. Lorsque je travaillais mes midot à haute, mes mauvaises midot, alors c'est soit je vais me dire, bon, je suis coléreux, je vais apprendre à me calmer. Je suis orgueilleux, je vais apprendre à arrêter d'être orgueilleux. Donc je vais être sans arrêt en lutte à l'intérieur de moi. Mais encore une autre solution, c'est ce que la Mishnah en fait, elle vient de nous dévoiler. C'est quitte tout ça, élève-toi. Vois plus haut, vois et des ambitions beaucoup plus haute, te rapprocher d'Hachem, tu verras que naturellement, d'un coup, les honneurs que les hommes ils vont pouvoir te faire, ça ne va pas être quelque chose qui va t'attirer, ça ne va pas être quelque chose qui va te dire, et de ce fait, tu vas être naturellement, tu vas obtenir la modestie et la crainte du ciel. D'accord ? Umchashrato
lihiyot tzadik chassid yashar veneeman. Grâce à l'étude de la Torah, il va naturellement devenir un tzadik, un juste. On va expliquer la nuance entre chacun. Chassid, c'est quelqu'un qui fait avec zèle. Yachar, quelqu'un de droit. Et Neheman, quelqu'un de fidèle. Soit, ça va devenir un vrai, à force d'étudier la Torah Lishma, il va naturellement, par conséquent, il va devenir beaucoup plus juste, tzadik, pur. Maintenant, comprendre la nuance entre chacun des mots. Tzadik, c'est celui, par définition, c'est celui qui a un Yetzerara, mais qui va le lutter, qui va sans arrêt le vaincre. D'accord ? Ça, c'est, il va devenir tzadik, il va s'éloigner maintenant, il ne va plus faire des avérotes. Naturellement, il va se barricader. En plus de ça, il va même devenir chassid. Chassid, donc tzadik, c'est celui qui fait ce qu'il faut faire. Chassid, c'est celui qui va en faire même plus que ça. Il va devenir plus zélé dans sa avodat Hashem. Yachar, alors là, c'est qu'il va être droit. Et il y a un problème à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit que j'allais être un... J'allais en faire. Tu sais, cet homme-là, il est zélé, il est gentil. Et il est même droit. On a tout cassé. Quelque part, ouais, oui, c'est un petit problème. Ça peut être classé selon l'ordre. Il fallait dire tzadik, yachar et chassid. Tu me dis tzadik, chassid et yachar, le mot yachar, droit, c'était une évidence parce que tout chassid, il est forcément droit. Et c'est en cela que le Midrash Shmuel, il explique justement, ben non. Et des fois, quelqu'un, il est zélé, mais à cause de ça, il va d'un coup, il va se mettre à être trop clément dans une situation, et puis ça va se retourner contre quelqu'un d'autre. Imaginez que, par exemple, ma femme m'attend très urgemment parce qu'elle a besoin de moi à la maison, c'est à la foire, les enfants, ils sont trop excités, hein, elle m'appelle. Et puis moi, je suis un grand chassid, donc je vais venir avec plein de cœur avec, pour aider à la maison. Et puis d'un coup, en montant, je vais voir la vieille voisine qui est en train de monter ses sacs, et elle en a encore une tonne, et je lui dis, non, tu sais quoi, je vais te monter tous tes sacs. Alors regardez, je suis un chassid, mais je ne suis pas yachar. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a en ce moment une mitzvah de tzedaka et de chesed à faire avec ma maison. D'abord, c'est elle qui prime surtout. Donc dans ce cas-là, ouais, vous voyez que ce que ça veut dire, il ne faut pas être un chassid choté, comme ce que la Mishnah l'appelle de temps en temps. C'est d'être un chassid, vouloir faire du zèle, mais il faut être aussi chacham, faire les choses. Il faut les choses droites, mettre les choses chacune à leur place. C'est pour ça qu'on a insisté sur le chassid et yachar. On continue. Neheman, c'est qu'il reste fidèle. Vous allez me dire, heureusement, c'est vrai, mais il faut savoir que ça veut dire que jamais il sera tenté à fauter. Comme malheureusement, comme ça s'est passé par exemple avec Yohanan Kohen Gadol, le Yohanan Kohen Gadol, que pendant 80 ans il a été le Kohen Gadol, et puis à la fin malheureusement, il est parti, il est devenu épicurien, apikoros. Minute, il s'est fait attraper dans la minute. Alors là, justement, quand on étudie la Torah Lishma, alors la Torah, elle va le protéger plus jamais, il va changer, il va ne quittera pas le chemin, la Torah, elle va le barricader face à tout ça. Umrachaktu minachet, umkarvato lidesrut. Alors, umrachaktu minachet, elle va l'éloigner de la faute. Et alors là, il y a un problème. C'est qu'elle va l'éloigner de la faute, heureusement, on en était, ça fait déjà longtemps qu'on a fini de lutter contre la verote. On était tzadik, yachar, chassid, yachar, neheman. C'est pourquoi que la Torah, elle va l'éloigner de la faute. C'est à cause de cette question que le Midrash Shmuel explique qu'en réalité, même si c'est un Baal Tshuva, que malheureusement dans sa jeunesse, il a fait des graves averot. Et sans arrêt, ça revient et ça lui aigrit le cœur. Il réalise qu'il en a tellement, malheureusement, il a fait tellement de choses qui étaient contre la volonté d'Hachem quand il était jeune. Aujourd'hui, c'est devenu un tzadik, un yachar. Mais malheureusement, ça le salit. Et bien la Torah, elle va faire que brachaktu minachet. L'étude de la Torah Lishma va l'éloigner encore plus des fautes qu'il a faites, où il va sentir que c'était même pas une partie intégrante de lui du tout. Il va se sentir complètement loin, loin, loin d'elle. Veum karvatul idezrut, la Torah maintenant va le protéger pour maintenant lui donner encore plus et encore plus de mérite. Et en plus de ça, venenin mimenu etza vetushia bina ugvura. On va profiter, jouir de lui, son entourage va jouir de lui, de etza vetushia, qui sont deux formes de conseils. On va expliquer c'est quoi exactement. Bina, c'est sa réflexion. Ugvura, c'est ça, force, c'est-à-dire, quand on parle de Ugvura, on va les faire un petit peu dans les ordres. Bien sûr, on vient, le but de ces quatre propositions maintenant, de ces quatre phrases, sont de nous dire que cet homme-là, maintenant, ça va devenir un exemple, et ça va devenir le grand conseiller, que tout le monde va venir le voir pour jouir de ses conseils, comme on va avoir des rabbanim, chachamim et tzadikim, pour pouvoir avoir des conseils. Le but, lorsqu'on va avoir des chachamim, c'est parce qu'eux, ils ont le regard de la Torah. Eux, à force d'étudier la Torah, et de toujours penser... Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous dans toute situation? Lorsqu'on étudie une sougia, quelle que soit la sougia qu'il étudie, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi dans cette situation? Donc tu sais, lorsqu'on va lui présenter un problème, il va directement dénouer la situation en voyant quelle est la volonté d'Hachem. Donc, quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, plus il va étudier la Torah Lishma, plus les gens vont venir se conseiller avec lui. Et pour jouir de lui, alors on va d'abord commencer par les deux derniers, Bina et Gvura, la compréhension, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose de compliqué à comprendre.
je suis arrivé dans une contradiction. Il y a une contradiction entre deux. Alors, je n'arrive pas à voir clair dans l'étude. Alors, lui, du coup, il va m'éclairer. Et Gvura, il va me donner. C'est sur, on fait allusion à Ezou Gibor, à Kovesh et Titzro. Celui qui est fort, c'est celui qui lutte et qui vainc son instinct. Son instinct. D'accord ? Son Yitzhara. Et de ce fait, lorsqu'on va le voir que sans arrêt, qu'il est capable de lutter contre les Yitzhara, donc tous les gens vont venir. On va venir se concerter avec lui pour qu'il nous donne des conseils comment faire pour mieux structurer ma vie, mieux fuir la faute. Et voilà, maintenant, Etsa et Tushia, c'est deux formes de conseils, c'est les conseils bien sûr de la vie. C'est assez délicat comment comprendre exactement. D'abord, il y en a qui coupent ça en deux, qui dit que Etsa, c'est les conseils profanes de la vie de tous les jours, et Tushia, c'est les conseils de la Torah. Il y a le Tiferet Israël qui rapporte une autre explication qui dit que Etsa et Tushia, c'est exactement les conseils, mais il y a deux choses. C'est sur lorsque je vais me concerter avec lui, le fait que je vais voir clair grâce à lui, je vais le voir comment il va me. Je vais voir le tzaddik, le Chacham, qui étudie la Torah et Shema, je vais partir me concerter avec lui, et alors, au moment où il va me conseiller, je vais déjà jouir, être content d'être en proximité, et être calmé grâce à lui. Et en plus de ça, lorsque je vais accomplir le conseil, alors je vais en plus de ça voir combien ce conseil il était bon. D'accord ? Comme le Passouk nous dit dans Michelet, Perekret, dans Michelet, c'est un Perek qui parle, c'est ce qu'on appelle le Mahamar à Torah. C'est la Torah elle-même qui parle et qui invite les gens à venir s'accrocher à elle et à l'étudier de plus de fond. Et elle propose tous les bienfaits qu'elle lui donnera. Elle notamment dit Li etza vetushia, ani bina li gevura. À moi et le conseil etza et tushia, à moi sont les conseils, les bons conseils, vous les trouverez à l'intérieur de moi. Ani bina, je suis la Torah nous dit, je suis par définition la sagesse. La compréhension, l'Igvura en moi la force de lutter contre les Sarah. D'accord ? Donc on déduit que la Torah, en étudiant la Torah Lishma, on va acquérir ses vertus. Ensuite, on a maintenant Venontenet lo Malchut ou Memshala, Vechikurdin. Et en plus de ça, la Torah va lui donner de la Malchut ou Memshala, Vechikurdin. Elle va lui donner, comment dire ? La malchoute, c'est la royauté, c'est-à-dire le fait qu'il va maintenant dominer des situations, même Shala, contrôler des situations. Donc, la noblesse, ouais, c'est le bon mot. Notamment malchoute, la noblesse, et même Shala. Et grâce à ça, il va dominer des choses, puisqu'il est un rav, tzadik, racham, yachar. De ce fait, Hachem va organiser dans le ciel que telle personne va être nommée pour diriger telle situation. Pour ce que ce racham-là, il va lui gérer tel organisme, tel. Pour pouvoir bien. Aider l'organisme à plus rapprocher les gens à la Torah. Donc c'est ça va être la même Shala, hein, le fait de gouverner des choses. Des Rikourdin, c'est le fait d'être choker, d'approfondir et de voir où se trouve la justice lorsqu'il y a un conflit à résoudre. Une des grandes difficultés, c'est que les gens viennent nous racontent un rave qui veut trancher dans la par exemple, en prochaine Mishpat, un différent entre deux personnes. Une des grandes difficultés, d'abord, c'est de faire le clair dans tout ce qui est dit. Non. Eh bien, chez le Chacham qui étudie la Torah Lishma, naturellement, grâce à la Torah, il va directement voir où chaque chose se trouve, comment faire évoluer la situation, quelles questions sages à poser pour ensuite pouvoir faire évoluer et découvrir la vérité. Omega Lin Loraz et Torah, et en plus de ça, hein, à force d'étudier la Torah Lishma, alors Hachem va lui ouvrir les yeux et va lui faire découvrir les secrets de la Torah. Et ainsi, il va devenir comme une source jaillissante et comme un fleuve qui ne s'arrête pas. Toute la Torah qu'il va étudier, sans arrêt, il va sans arrêt découvrir de nouvelles profondeurs. Tout va se relier ensemble. Une suga qu'il a étudiée dans Mikvaot, elle va se rattacher avec une suga de Ribit, en considérant ce qu'il avait appris en plus de ça quand on étudiait Bassar Bechalav, avec un petit peu de Baba Kamet, Baba Batra, il va nous faire comme ça un super beau cocktail pour pouvoir nous faire sortir une amara. Ça va être un Mayan Amit Gaber, une source jaillissante de Torah qui va faire des liens entre les choses et découvrir les profondeurs des choses. Au Kenahar, chez nos Posek, et comme un fleuve qui ne s'arrête pas tellement qu'il a un débit fort. Veheve Tsanua. C'est interprété de deux manières. Tout d'abord, on a un problème avec, littéralement, Tsanua, Erech, Roach, Omochel, Alelbono, ce sont des midot très nobles. Deux, Tsanua, c'est quelqu'un de pudique, discret. Erech, Roach, quelqu'un de patient. Omochel, Alelbono, c'est quelqu'un qui pardonne les offenses qu'on lui a faites. Les gens viennent l'humilier et lui, il est au-dessus de tout ça.
Ça, c'est la Torah qui lui donne. Maintenant, il y a un petit problème avec le mot vehevé et soi. Donc, la Mishnah, d'abord, au sens simple, apparemment, le Rashi, plutôt, semble expliquer de cette manière, nous dit que grâce à toute l'étude de la Torah Lishma, il va avoir ces belles vertus, qu'il va devenir d'autant plus patient et supporter l'autre, et supporter même les affronts, et se taire sans chercher, sans vouloir faire des histoires. Il y en a qui interprètent ça plutôt que c'est un impératif, c'est un ordre. La Torah nous dit sage que malgré tout, veille à rester tsanoua et rechoua chomochel alelvono. Sinon tu vas perdre tout ce que tu as gagné, c'est-à-dire étant donné qu'on va te donner plein de rangs, on va t'élever, on va te distinguer du ciel, alors fais très particulièrement attention à ne jamais te laisser un brin d'orgueil rentrer à l'intérieur de ton cœur. D'accord ? Deux manières d'interpréter. De manière générale, on va plutôt retenir la première qui consiste à nous dire, et malgré tous les bienfaits qu'il va avoir, la Torah va veiller à le maintenir avec beaucoup de patience et beaucoup de savlanout. Umgad latom romamto al kol ha-ma'asim, et en plus de ça, la Torah va le faire grandir et le faire élever al kol ha-ma'asim, au-dessus de toutes les créations, toute la création du monde même. Il va être bien au-dessus, tout ça, il va vivre dans un monde bien au-dessus. Ainsi, il faut savoir, la Mishnah, elle ne parle pas que au Bachor Yeshivot, au Avrichim, au grand, elle parle à chaque juif. Étudier la Torah Lishma, étudier la Torah avec cœur, s'investir, ça peut être donné à tout le monde. Il faut tout simplement partir au Beit HaMidrash et même suivre un cours, se vouloir se donner, comprendre qu'on est en train de réaliser la plus grande des choses lorsqu'on étudie la Torah. Le but de notre création, c'est par là qu'on reçoit toute notre source de vie. Et lorsqu'on approche la Torah avec cette étude, tout le monde est capable de le faire, même avec même une heure par jour. Alvaï qu'on étudie même deux heures par jour, et même plus, et qu'on approfondit tout ça à la Gemara. Mais chacun à son niveau, il est capable de partir étudier la Torah. Et qu'il sache, la plus belle des choses qu'il va obtenir de tout ça, c'est tout simplement que il accomplit le but de sa création, et ça fait plaisir à Hachem, et c'est sûrement, probablement, la plus grande des joies pour chacun, les Hachem. En vous souhaitant une excellente journée, et Kol Tov, c'est là.